on a de l'inclination d'abord ce matin pour ton peuple. Nous avons ainsi prié, remercié Père Saint, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous nous réjouissons toujours de notre cœur, de la grâce que le Seigneur nous apporte pour pouvoir nous asseoir dans sa maison et d'entendre effectivement sa parole, et de pouvoir aussi voir que notre Dieu est toujours le même. C'est vrai, il a dit, invoque-moi dans ta défense. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous remercions vraiment pour ce que il est un secours pour nous que jamais dans la détresse. Parce que nous sommes réellement aussi pressés, comme nous l'avons entendu, il y a des limites et Dieu a passé. Nous le remercions vraiment pour cette grâce de pouvoir réellement nous montrer réellement que nous sommes gravés dans sa main, nous sommes dans sa main, gardés ou protégés par lui, et nul ne peut nous ravir de la main de ce Dieu vivant. Et cela aussi notre assurance de savoir que, puisque nous sommes à lui, lorsque nous l'entendons nous appeler, nous ne résistons point, nous ouvrons réellement les portes de nos cœurs pour que le Sauveur qui veut réellement entrer, il puisse réellement aussi avoir la possibilité de pouvoir se sentir le bienvenu, et aussi prendre la place d'honneur qu'il lui faut. Amen. Nous ne voulons pas donner à notre Seigneur la petite place, nous voulons lui donner effectivement la grande place. Amen. Parce que lorsque Simon l'a invité, il a vraiment méprisé, il a ignoré. Mais Dieu prend toujours soin de ses serviteurs. Et c'est pour ça que le Seigneur l'a honoré lorsque cette femme est venue. Et qu'il a commencé à pouvoir pleurer, alors que lorsqu'il est arrivé, Simon donnait de l'honneur, effectivement, à ceux qui semblaient qu'il pouvait lui donner aussi d'honneur, qu'il considérait comme étant des grands pour lui. Et notre Seigneur était le méprisé, mis de côté. Et Dieu a honoré son serviteur. Parce que quand les invités de Simon venaient, on les embrassait, on lavait leurs pieds, on pouvait les rendre d'un parfum là pour qu'ils sentent bon, et là. Ah, le maître était assis là avec ses sandales à côté là, effectivement, et on ne s'en occupait pas. Mais cette femme est venue, elle a lavé les pieds du maître avec cela. Il a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et nous remercions vraiment notre Dieu, parce qu'il est toujours le Dieu qui se soucie, qui prend soin de celui-là aussi, qui se donne de tout son cœur à lui. Lorsque nous servons notre Dieu, parce que nous sommes tous serviteurs et servantes de l'Éternel, parce que l'Écriture nous le montre effectivement, parce que sur cette terre nous le servons. Et chacun de nous, effectivement, à son niveau, et aussi à la place que Dieu a voulu, effectivement, lui attribuer, comme dans le corps, effectivement, chaque membre a réellement sa place pour servir dans le corps. Alors chacun de nous aussi a une place que Dieu, notre Seigneur, lui a réellement aussi attribué pour qu'il puisse servir dans le corps, afin qu'il y ait cette harmonie et cet ordre. Or, lorsque nous le servons de tout notre cœur avec autant de dévouement, autant d'amour, lorsque la situation devient aussi compliquée, le Seigneur, notre Dieu, est toujours là. Amen. Comme nous l'avons entendu, effectivement, lorsque nous sommes dans ce chemin du devoir, oh, alors que c'est lui qui nous a fait sortir, il ne nous abandonnera jamais. Amen. Les loups peuvent rôder à gauche et à droite, effectivement, mais nous avons le bon berger. Il réellement paye sur ceux qui sont à lui, ses propres brebis pour lesquels il est venu, qu'il a donné la vie, afin que ses brebis aient la vie en abondance. Et nous lui sommes reconnaissants parce qu'il nous a vraiment ouvert les oreilles pour que nous puissions entendre et reconnaître réellement lorsque lui, il nous appelle, afin que nous puissions réellement aussi prendre position pour l'endroit où il veut que nous puissions être et aussi les servir avec réellement de tout notre cœur et pour que nous puissions accomplir sa volonté. Nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette grâce pour que nous puissions réellement accomplir la volonté de notre Dieu. Et pour cela, pour que nous puissions l'accomplir, effectivement, nous avons besoin qu'il se révèle, qu'il nous révèle effectivement ce qu'il attend de nous. C'est pourquoi l'Écriture le dit encore et le répète encore, dit aujourd'hui encore, aujourd'hui. Vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'aujourd'hui encore, le Seigneur, notre Dieu, parle encore. C'est pourquoi il a été vraiment bon, vous n'aurez jamais cru au Seigneur. Alors vous avez cru peut-être sans savoir pourquoi. C'est pourquoi dans le cœur, c'est cette soif toujours d'un œil un peu dans le monde. C'est pourquoi cet homme de Dieu, le prophète Élie, pour dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés?
Vraiment. C'est toujours là, l'église un peu, un œil dehors. Comment le monde marche, comment ils s'habillent, comment ils font. Alors il y a un problème quelque part. Il y a encore ce goût-là du monde qui n'est pas encore parti. Vous ne voulez pas laisser partir parce que c'est comme si vous n'avez pas encore consommé le monde. La Bible dit ceci, dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu ne prend pas. Vraiment. Il y a souvent impossible que cette personne vous dise, Jésus, je t'aime, c'est seulement le Jésus du fond. Mais pas. Parce que l'homme ou la femme qui sait réellement ou qui a réellement ouvert véritablement son cœur, vraiment, c'est pourquoi nous, quand on dit oh, venez, venez, en fait, il faut que les gens d'abord comprennent que c'est pas l'invitation qui importe d'abord. Venir, vous voulez avancer pour pouvoir accepter, avancer. C'est pas ça qui est d'abord important. Ce qui est important, c'est que l'homme ou la femme entend d'abord la parole de Dieu. Amen. Parce que, frère, la Bible, il a dit, celui qui croit, vous allez croire d'abord en quoi? Pourquoi il faut d'abord attendre? Comment croit-on en celui dont ils n'ont pas entendu? C'est écrit, non, c'est dans Romains, je vais lire avec vous, hein. Si on peut penser que c'était une non, c'est écrit ici dans Romains, au chapitre 10, verset 12. Il n'y a donc aucune différence, verset 12, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout le terme. Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il y a des personnes qui prêchent? Alléluia! Nous faudrons la prédication de la parole. Afin que l'homme ou la femme, effectivement, qui vit dans des conditions aussi immondes, et qui est dans ce temps, qui se rende compte qu'effectivement, que non! C'est que je vois comme je suis, effectivement, dans l'état dans lequel je me trouve, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas conforme quelque part, parce qu'il me manque quelque chose. Dans tout ce que je fais, je n'ai pas la paix. J'ai beau habiller mon corps avec les vêtements de 8000 euros, et les chaussures de 150 000 euros, j'ai beau habiter dans des maisons qui valent effectivement si c'est 2 milliards d'euros, mais je ne suis pas en fait. J'ai beau avoir un compte en banque garni. J'ai dit, je peux même donner à mon âme ce qu'il veut, mais je ne suis pas en paix. Il y a quelque chose qui me manque dedans. Et il faut que l'homme ou la femme comprenne qu'il a besoin de quelque chose de très important pour son âme. Oui, mon frère, quand ce n'est pas ainsi, tu aimeras toujours le monde. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. Et déjà, je viens de là, ça fait des choses que vous avez commandé. Sur la scène. Nous devons savoir, pourquoi, effectivement, nous avons accepté cet homme de qualité. La marche avec Dieu, ce n'est pas du théâtre. Amen. Nous devons être conscients, parce qu'il y a une différence entre où moi j'étais et là où moi je veux maintenant être quand j'ai entendu parler de lui. Donc là où j'étais quoi? J'étais dans l'impureté, dans tout ce qui était aussi immonde et souillant. Donc je me voyais sale et impur, même dans mon habillement. Ah oui, certainement. Que ce soit les femmes, les jupes, c'était là, on est montré toujours. Vous voyez, quand ils s'asseyent parfois, ils croisent les pieds comme ça. Elle a une mini-jupe, hein? Elle croise comme ça. Pourquoi? C'est pour que ses cuisses soient mises dehors.
Donc la femme, quand elle était morte, elle devait mettre tout son corps vraiment, comment on appelle ça, à l'extérieur. En fait, elle fait un exergue. Un exergue, montrer ce qu'elle est. Vous comprenez ça? Oui, c'est comme cela que la femme, vous ne pouvez pas croire, c'est votre problème. Et c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Je sais que bon, on fait mon mourir, mais c'est vrai. Amen. Personne ne peut dire non, c'est pas vrai. Parce que dans une femme, c'est cette nature-là qu'il a. Parce que chaque femme a besoin d'attirer les regards de nous. C'est vrai ou pas? Amen. N'allez pas me dire le contraire. C'est comme cela. Pourquoi alors, si ce n'est pas le cas, pourquoi toutes les femmes sont presque nues aujourd'hui? Vous trouvez des vieilles comme des demi-vieilles comme des semi-vieilles, toujours dans ces pantalons-là qui servent. Et quand, et en plus de cela, quand ils passent tout près de vous, elles font encore comme ça, elle va tirer encore davantage la chose en question. Elle passe. Oui, vous savez ça. Pourquoi? C'est ça le monde, en fait. Donc, quand nous étions dans le monde, la même chose aussi avec les hommes, hein. Hein, ils ont des, vous entendez les bagues, sont peut-être les mains sont tellement lourdes avec des bagues. Vous posez la question, c'est du quoi? Là, du gros. Parfois, je me demande, mais c'est comme, ah, mais j'ai compris, c'est comme les papes, parce qu'ils aiment bien qu'on embrasse les bagues. Vous avez vu, ce sont des bagues aussi grosses comme ça. Et non seulement cela, ils aiment bien ouvrir aussi la poitrine. C'est pour qu'on voit un peu, hein. Là, ouais, les grosses chaînes là qui descendent effectivement comme cela. Alors, chemise bien ouverte là parce qu'il a beaucoup d'air. Alors, il faut que ça passe. Pourquoi? Pour que les femmes voient la poitrine. On baisse la tête, mais c'est la vérité. Rien. Vous savez, les hommes, c'est la même chose. C'est sûr et certain. Il dit, lui, qu'il voit maintenant des jeunes filles qui sont assises là, quelque part, là, pour voir comment elles marchent, elles marchent. Ah oui, certainement, c'est lui. Il marchait bien comme ça, peut-être de venir. Oh là là. Et puis, même si elle avait un petit bidon, j'ai vu les autres là. Ici, ils n'ont rien. Ici, ils n'ont rien. Mais ils marchent comme ça. C'est la vérité, comme ça, que ce fille-là. Il dit, mais c'est pas possible ça. Il n'a rien ici, c'est plat, c'est petit. Mais tu vois, il fait comme ça. Ah, vous dites que moi ici, j'ai fait ta mal. Non, mais c'est vrai. Donc, quand nous sommes ici dans cet état d'esprit, alors, lorsque l'évangile nous est apporté, on réalise que nous, l'état dans lequel je suis, mais c'est un état mauvais. J'ai besoin d'un autre état. C'est l'état de souillure, effectivement, mais quel état? L'état de sainteté. Je veux être saint. Donc il y a cette soupir, effectivement, de ton âme d'être un homme saint. Une femme sainte. Amen. Je veux dire, effectivement, que lorsque tu quittes là, tu quittes ce monde-là. Tu sais que c'est un monde de souillure. C'est un monde, effectivement, qui t'apporte rien. Et puis, toi-même, tu te dis, mais j'étais là, dedans, je suis là-dedans, mais je ne trouve rien de bon. Malgré que je peux me faire tout ce que je peux acheter, mais je ne suis pas heureux. Vraiment. Il y a quelque chose dont je soupire, effectivement. Et ces jours-là, tu as entendu dans l'évangile qu'il y a un nom. Amen. Alléluia. Amen. Qui fait que la talenture des cochons et des porcs qui deviennent un fils de Dieu. Qui veut me délivrer de cette nature aussi qui se dépend. Parce que je ne sais pas comment m'en débarrasser. Je voulais, mais je ne sais pas parce que la pression. Ces femmes-là qu'on voit effectivement dans la rue, effectivement. Je ne les insulte pas, je prie seulement que Dieu pour la grâce. C'est pas qu'ils le veulent, effectivement, mais c'est l'esprit. Amen. Le monde et la mort. C'est tous ces chiens des grands, on dit des grands couturiers, des gens qui viennent là, qui le montrent, effectivement. Une femme normale ne va pas montrer quand même ses affaires. Vraiment. C'est quand même pas. Non, c'est parce que, à force de voir montrer à la télévision, voyez-vous, et puis vous voyez cela qui montre comme ça bien. Et tout le monde dit, ah, que pour être à la mort. Parce que vous trouvez-vous normal, vraiment, vraiment, vraiment. C'est simplement un exemple, je ne pense pas vous passer, mais normal, une femme normale, hein, qui sait bien qu'elle a. Et qui va mettre ces choses-là pour laisser comme ça tout dehors, c'est pas possible. Il faut que quelque part, il y ait quelque chose qui ne vaille pas. C'est parce qu'elle l'a accepté.
Amen. Et là, c'était quoi? Ces démons-là qui viennent pour l'aveugler. Amen. Si longtemps qu'il n'a pas accepté qu'il voit, Amen. Il peut dire non, mes enfants, ne faites pas ça. Oui. Ça ne se fait pas. Vous direz, mes frères, là, c'est pas possible. Mais oui, frère, retournez un peu au Moyen-Âge. Comment ils s'habillaient? Alléluia. Amen. Vous voulez résulter, mais retournez ces moments. Ici, dans notre pays, ici. Alors, je dis, mais dans l'Europe, en fait, dans les années 50, un peu plus avant, elle est une femme qui portait un pantalon. Était emprisonnée. Amen. Ah, bien sûr. Mais je vais dire autre chose. Dans la constitution française jusqu'à aujourd'hui, je ne sais dans les cela, il dit que si on trouve une femme en pantalon, on peut l'arrêter. Vous voyez, donc c'est quand même que quelque part, il y a la prise de conscience quand même que l'homme, pourquoi? Parce qu'il y a la conscience. C'est vrai que bon, à certain moment, l'homme doit arriver à pouvoir comprendre ainsi, tant l'homme, tant. C'est comme les hommes, comme dans les hommes. Je parle de les... C'est comme les hommes. Vous trouvez-vous normal, frère, soeur? Peut-être qu'ils vont mettre la couteau. Mais regardez, frère. Un vélo, pour rouler à vélo. Pour rouler à vélo. Je dois me mettre en ce chose-là qui sert comme ça et tous les organes de l'homme dehors. Et vous trouvez ça normal? Mais c'est la mode. Parce que c'est la mode. Et quand on fait ça, et ça passe normalement. Voilà à peu près comment, voilà comment Satan peut jouer avec les gens. Jouer effectivement. Et quand un homme, effectivement, est dans un état comme ça, dans le milieu de c'est tout, effectivement, il ne voit pas la différence, il va continuer à aller. Peut-être qu'il ne veut pas le faire, mais dans son cœur, il est embêté, mais il a mis quand même, parce que sinon les voisins vont dire, mais ça ne va pas, il fait du vélo sans qu'il soit comme le courant. Puisque les voisins vont parler en mal, alors à ce moment-là, ben il va se faire. Et il sort effectivement comme ça. Aussi longtemps qu'il est dans ce milieu-là, frère et soeur, il est toujours avec lui, effectivement. Mais lorsque l'évangile vient, Amen. Ce qui est différent, effectivement, en fait, voyez-vous, frère, c'est ça que les hommes doivent comprendre. Vous y mettez votre attention. Ce que les hommes doivent comprendre, c'est qu'il y a véritablement deux mondes différents. Amen. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Amen. Ceux qui sont à la lumière, ils voient bien que ça, c'est les ténèbres. Amen. Alors maintenant, celui qui est dans le monde des ténèbres, il ne peut pas arriver à pouvoir voir la lumière, effectivement, parce qu'il est là-dedans. Mais il faut que la lumière s'approche. Amen. Il faut que la lumière s'approche, effectivement. Ça veut dire quoi que la parole de Dieu est une lumière sur mon sein. Lorsque la prédication de la parole de Dieu est portée. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne méprisez pas les gens qui sont dehors. Moi, j'étais l'un d'entre eux. Vous, vous étiez l'un d'entre eux. Nous vivions tous comme eux. C'est pourquoi nous devions avoir de la compassion, de l'amour. Amen. Ah oui, frère, allez vers le perdu avec autant d'amour. Amen. Avec le mépris, dis ah, moi je suis toi, tu es qui? Amen. Aujourd'hui, Dieu a fait ça, tu étais comme ça, hier, tu étais comme cela. Amen. Alors, souviens-toi d'où tu étais. Amen. Alors, Amen. Effectivement, parce qu'ils ont besoin de pouvoir entendre la parole de Dieu. Amen. Et quand il entend la parole, il dit, mais c'est pas possible, quoi? La lumière, elle vient dans les ténèbres. Et cette lumière, c'est comme cela donc que les choses sont. Si la fille de Dieu, effectivement, s'écroule dans les ténèbres, il est en désaiglé, la lumière est en train de la faire frapper. Il va reconnaître. Amen. Donc, je suis sûr et certain. C'est là où nous étions, vous et moi. Bien sûr, enfermés dans ce monde-là, nous vivions comme tous les autres. Si l'évangile ne vous était jamais apporté, vous serez toujours traduits. C'est pourquoi on ne se moque pas des gens, mais on montre effectivement ce que Satan est en train de pouvoir faire. Et comment effectivement. Mais remarquez maintenant, frère, si nous étions dans ce monde-là, agissant comme cela, parce que nous avons réalisé effectivement que mon Dieu, lorsque la lumière est avec nous, que là-dedans, tout ce qui se faisait, c'était vraiment les œuvres du ténèbre. Je ne veux plus rien avoir là-dedans. Je veux maintenant avoir avec quoi? Avec la lumière. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais maintenant, si tu es devenu la lumière, que tu es entré dans la lumière, comment peux-tu toujours
Alléluia. Comment peux-tu toujours avoir un œil à la détente? Et dans ton cœur, le désir de papa, comment lui il peut, est-ce que lui vraiment, et moi ici qui suis toujours des dieux sexués, mais là-bas. Est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Amen. Là-bas, ça veut dire quoi, mon frère? Si tu es attiré par les ténèbres, c'est que les ténèbres sont en toi. Vraiment. Satan, il va réclamer ceux qui sont à lui. Ceux qui ont quelque chose de lui en eux. Dieu réclame ceux qui sont à lui. Ceux qui ont quelque chose de lui en eux. C'est pourquoi, lorsqu'il vient dans les ténèbres, il ne vient pas chercher les ténèbres. Mais il vient chercher les enfants de lumière en fermant. Il verra toujours chercher celui qui a tout de lui en lui. Amen. Car nous avons été connus de Abraham. Amen. Je suis venu chercher les brebis perdues. Tu dois savoir pourquoi tu l'aimes. Amen. Mon frère et ma soeur, même si Satan t'avait enfoncé dans le bas-fond, mais dans ton fort intérieur, il y avait cette personne. Amen. Le monde pouvait t'emporter, mais il y avait quelque chose dans notre animé. Tu ne suis pas bien là-dedans. Parce que ce n'était pas ton endroit. Alléluia. S'il vous plaît, frère, ne jouez pas à l'église. Ne jouez pas aux choses de Dieu comme si Dieu va avoir. Non, Dieu cherche des individus. Amen. Des âmes, des frères et des sœurs, de fils et de filles de Dieu. Alléluia. Et c'est vrai. Quand un homme ou une femme a été dans le bas fond, mais comme maintenant, la lumière lui vient et lui est donc manifestée, regardez, il y a une grande différence qui se passe avec ce temps. Vous vous souvenez, comme l'Écriture le dit, avec dans le livre de Roi, je crois, Roi 18, vous vous souvenez de cela? Peut-être le lien avec nous pour nous trouver. Lorsque Élie le prophète a fait donc demander au roi d'Israël de pouvoir faire venir ses prophètes, tous ceux qui avaient enseigné les enfants d'Israël, et puis effectivement aussi avec tout le peuple qui avait eu à pouvoir entendre effectivement les renseignements qui se sont donc donnés, effectivement cela, au roi d'Israël. Chapitre 18, nous disons le verset 26. Achab envoya donc un messager vers tous les enfants d'Israël. En Rois 18, verset 27. Et il rassembla le prophète à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si donc l'Éternel est Dieu, allez donc après lui. Si c'est mal, allez donc après lui. La Bible dit, le peuple ne lui répondit à rien. Évidemment, ils étaient donc enfermés là-dedans. Mais c'était le peuple. On l'a tellement nourri, effectivement, maintenant. Alors il avait un pied ici, un pied là, effectivement. Et c'est à ce moment-là que, lorsque il a parlé ainsi en disant, mais faites votre choix. Mais pour qu'on voit, qu'on fasse un choix, il faut qu'on voit la différence. Amen. On ne peut pas faire un choix sans voir la différence. Amen. C'est la vérité. Donc vous voyez, le peuple ne répondit absolument rien. Mais lorsqu'il a dit ceci, dit, alors maintenant il dit, prenez un taureau. Moi je prendrai aussi. Vous voulez dire, vous savez qui verset suivant. Il dit ceci, verset 28. Le peuple ne répondit rien. Et il dit au peuple, je suis resté seul de prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne maintenant deux taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupent par morceaux et qui le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparais effectivement l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Oui, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu.
c'est celui-là qui sera Dieu. Amen. Et tout le peuple répond en disant, c'est bien. Alléluia. Ils disent, alors là, on va voir la différence. On peut faire les choix. Dieu est un Dieu bon. Amen. Oh oui, c'est vrai. Pourquoi il doit toujours témoigner aussi de ce qu'il est et ce qu'il fait parmi les hommes, afin que ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir réellement réaliser qu'il est vivant puissent aussi voir que si Dieu est vivant. Amen. Remarquez, quand il a dit cela, il a donné donc l'occasion au prophète par la statue de témoigner que c'était réellement le Dieu. Parce que vous savez ce qui s'est passé, que il a dit je suis resté seul, donc il était seul. Après, ils en avaient combien 400. Et puis que fait oui, ça lui aimait. Tout le peuple était avec eux. Si c'était vous, vous avez dit, mais Élie ne sert pas Dieu. Il est tout seul. Regardez les autres églises, ils sont immenses avec des grands clochers. Il y a là une foule qui vient. Et là, c'est quand même une foule. Donc en fait, Dieu n'est pas avec lui, il est toujours seul. Nous regardez les grands clochers, et puis dans nos églises, les grands instruments, là, les 1000 et les 150 000 euros, de ceci et cela. Et puis quand nous voyons que nous sommes, nos chorales sont tellement larges et grands, et puis nos bâtiments sont tellement bien. C'est ça, l'évangile actuel, l'évangile de la prospérité, comme il dit. Parce qu'il faut que nous puissions avoir beaucoup de moyens, que les gens voient et que si. Là, ils viennent dire, bon, ils ont des grands bâtiments, les grands et si et cela, alors, ah, Dieu est avec eux. Il a dit, les oiseaux du ciel. Alléluia. Ils ont béni. Amen. Amen. Alléluia. Les gars, on est allés. Il dit même les animaux, même sur les. Il dit, mais le fils dehors! N'a pas au répondre la tête. Cependant, il est souverain. Amen. Le Dieu du ciel. Amen. Le Dieu de quoi? Si on compare aujourd'hui avec cet évangile-là, il y a une très grande différence. C'est l'évangile. L'évangile actuel, c'est l'évangile social. Ne touchez pas aux femmes, ne touchez pas aux gens. Vous dites simplement, oh, si Jésus sera sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu, on fait des grands concerts, des chants. Oh, il va venir, il est monté au ciel, il va bien. Donc, tous les gens sont emportés dans le mouvement des chants. Mais il va venir, il est monté au ciel, il va venir. Il va venir chercher quoi? Les poubelles. Mon Dieu n'est pas un éboueur. Jamais. Jamais. C'est cela l'aveuglement de Satan. Il fait beaucoup les trompettes. Et ça vient toujours de son couple. C'est vrai. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit déclimer la chose. Parce qu'il trouve la trompette devant un son qui est distinct, effectivement. Alors il faut que l'esprit soit derrière. Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Vous vous souvenez encore? Amen. Amen. Je prie que Dieu accorde la grâce. Amen. Pour qu'il soit en grâce de ce jour. Donc, réalisons que cet homme dit, puisque vous êtes tellement si nombreux, invoquez votre nom. Priez. Et il dit, je suis resté seul. Et puis, mais puisque vous êtes tellement si nombreux, recommencez. Puisque vous êtes nombreux, vous avez tellement beaucoup crié que la terre va trembler et ce Dieu-là doit certainement entendre. Oui. Vous vous rendez compte, lui, il était seul. Et le 400, le 800, là, ils étaient avec toute la population. Lui, il était seul. C'est normal quand on dit que cet homme-là, Dieu n'est pas avec lui. C'est pas possible. Oui, si vous êtes nombreux, effectivement, prenez les taureaux avec vous. Alors, allez-y, eh bien, invoquez-le. Vous pouvez faire des grandes trompettes, les grands tous que vous voulez, donc jouer, puis que tout le peuple joue, effectivement, et crie à Dieu. Entends, c'est moi, effectivement, qui promet. Mais Dieu, à ce moment-là, votre Dieu va entendre. Bien, restez tout à fait calme et tranquille. Bien, allez-y, commencez. C'est comme ça que ça peut écrire. Commencez. Alors là, je dis, mais on va te prouver maintenant que nous sommes des dieux, toi tu ne l'es pas, et bien tu vas voir que notre Dieu va répondre. Ah, ils ont commencé. Dis donc, je vous laisse même depuis le matin, même jusqu'au soir, il n'y a pas de problème. Hein? Prenez votre temps. Je suis là simplement. De toute façon, pour vous, Dieu n'est pas avec moi. Eh bien, prenez le temps nécessaire. Eh bien oui, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé, ils ont tellement de talent sous l'émotion, ils se sont même coupés avec des lances pour que les gens sortent, les peuples voient, et bien aïe 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 ici,
Dieu va réellement aussi répondre. Minuit est arrivé, et vous voyez seulement l'homme en question, il se lève un peu, dit, et il est midi, il est peut-être en train de dormir, criez fort. Il est peut-être envoyé pour moi, moi j'aime cet homme. Amen. Il était seul, frère, il ne craignait personne. Amen. Et il crie tellement si fort. Peut-être qu'il dort ou il est peut-être envoyé, quand il va entendre, il va revenir. Oh, il est crié et l'homme était tranquille, bien Dieu. Amen. Eh, sœur, quand vous connaissez ces amen. Vous savez effectivement pourquoi vous l'avez. Et ce qu'il est pour vous. Mais le ciel a d'un peu tremblé. Notre maître a dit, le ciel de la terre passeront. Quand on a regardé, était comme ça, frère. Aussi frère, mais cet homme-là, c'est Jésus-là, il est allé à terre. En sa parole, le monde va sauter. Dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Vraiment crié, ils ont dansé. Frère, ne soyez pas des hommes et des femmes qui marchent avec la vue. Amen, amen. Ne marchez un sabbat très bien, et puis je ne vois pas que moi ça va. Frère, ce que Dieu a fait pour toi, l'argent, la richesse et le matériel ne peuvent jamais arriver à toi. Amen. Tu n'es jamais avec l'évangile, mais avec ce que Dieu a fait pour toi. Le village, il le regardait. Il savait très bien. Il savait très bien où il s'était dévoué. Et ils ont tout fait comme ça. Les tambours battants, et ceci. Et oh, réponds à nous. Et oh, allez, réponds. Nous dansons pour toi, nous offrons le feu. Vas-y, réponds à eux. Pas de problème. Allez-y. Jusqu'au ton soir. Il faut être certain de ce Dieu. Amen. Il savait une chose que Dieu, pour pouvoir l'avoir, il n'a pas d'autre sentiment que ça. Amen. 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 Tout ce que vous voulez, si c'est en dehors de ceci, l'espérez de Dieu. Amen. C'est la vérité. Il n'a pas le même sentiment que l'homme. C'est la vérité, mon précieux frère. C'est pourquoi nous devons respecter et l'obéir, surtout quand on nous conseille les saintes écritures. Alléluia. Toujours écouter, toujours obéir. Que l'orgueil ne vienne jamais dans votre cœur. Moi je sais, moi je comprends, moi je peux faire. Il n'y a pas de problème. Avec l'orgueil, la chute est juste là. Vraiment. Sûr et certain, vous tomberez dans le précipice. Mais avec l'humilité. Amen. La gloire de Dieu. Amen. 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 Seigneur, il a regardé et dit Salomon. Si c'était quelqu'un d'autre, qu'il aurait dit. Demain, je prends le trône, mais toutes les têtes qui se sont opposées à moi, partent. Et en plus de cela, toute la richesse du royaume, je règne comme moi. Il dit, non, toi, tu n'as pas regardé à cela. Tu as simplement demandé la sagesse. Et notre roi pouvait dire, mais donne-moi une armée puissante pour protéger mon royaume. Mais toi, tu dis, donne-moi la sagesse. Pas l'argent, pas le vêtement, pas la gloire. Tu me demandes, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Vous êtes dans le Saint-Esprit. Vous ne savez pas si vous allez être aujourd'hui. C'est-à-dire, Job dit, il y a un endroit où on peut trouver de l'argent. Où on peut trouver de l'or. Parce que quand l'homme sait qu'il y a de l'or là-bas, il va creuser et creuser jusqu'au plus profond. Hein. Il est chemin même que les oiseaux ici ne connaissent pas. Mais l'homme, il creuse, il descend. Job 28. Donc quand il barre plus fort, il va faire sortir de l'or des topaz à qui les sont. Et puis il dit, mais la sagesse. Où se trouve-t-elle? Alléluia. Vous voulez qu'on le lise un peu? Amen. Job 28. Alléluia. Job 28. Il dit, verset 1.
Il y a pour l'argent une mine dont on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu dont on l'extrait au blanc. Le fer se tire de la poussière. Et la pierre se fond pour produire l'air. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Des pierres cachées, effectivement dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités, ses pierres ne sont plus à elle. Et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain bouleversé dans ses entrailles, comme le pain. Ses biens contiennent du saphir, on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sens. L'œil de vautour ne l'a point aperçu. Le plus fier humain ne l'a point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes de pierre assis, il ouvre les tranchées dans le rocher. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, il produit la lumière, ce qui est caché. Comme ça qu'on produit des diamants, de l'or, vous connaissez, non? Mais là, monsieur dit, mais là, sagesse! Parce que l'or, l'argent, le copal, tout ce que vous avez comme des pères, vous avez, vous allez vous trouver, non? Alléluia! Ah oui, c'est sûr et certain, vous pouvez travailler, creuser, vous allez l'avoir. Mais il dit, même là où vous avez effectivement l'animal, les animaux ne se mettent pas, parce qu'on ne se met pas ce chemin, vous creusez les montagnes sur le bas-fond. Trouver les diamants et leur espère. Il dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Il dit, mais où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Ah, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. On pose la question à la Bible. La Bible dit, mais elle n'est point en moi. Et toi, la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur. Tu peux avoir tout l'or du monde et ne peux pas racheter la sagesse. Alléluia. Parce que pour l'acheter, il faut savoir ce trou. Elle ne peut pas, elle ne se donne pas contre l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Tu peux avoir des milliards et des milliards, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas acheter la sagesse. Alléluia. Donc l'or est toute la terre entière. Tous les immeubles que tu peux avoir, même si tu as tout l'argent tout le monde dans ton compte en banque à toi. Il y a quelque chose de plus malheureux que ça. Amen. Qui a plus de valeur que l'argent que tu possèdes. Alléluia. Que même l'or que tu possèdes. Que même le perles que tu peux posséder. Que même toutes les pierres de maison que tu peux posséder. Il y a quelque chose qui a plus de valeur que ça. Parce que mon Dieu ici, qu'il ne se donne même pas contre l'eau pure, alors que tout le monde veut avoir de l'eau pure. Quand on en a effectivement, mais on dit, ouais, parce que toute sa vie entière, on dit, mais je ne veux pas manquer le pain. J'aurai toujours de l'argent, parce que j'ai l'eau pure sur mon compte. Même quand tu as cette eau pure, tu ne veux pas acheter cette eau. Sagesse, parce que l'eau, c'est qu'il va avoir un prix. Alléluia. Alors là, tu es bien. Verset 16. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux onyx, ni contre les saphirs. Elle ne peut se comparer à l'or ni au rayon. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'orfèvre. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que le père. Amen. La topaz de Jovie n'est point son égal. Et l'envie n'entre pas en balance avec elle. Amen. Alors maintenant, mais puisque toutes ces choses de valeur, effectivement précieuses, effectivement, n'ont même pas de valeur à côté, sinon je veux posséder la chose qui a plus de valeur que toute chose, non? Alléluia. Amen. Vous pas? Alléluia. Vous pas? Amen. Parce que si tu possèdes la chose qui a plus de valeur que toute chose qui a de valeur, non, elle n'a pas de valeur, elle est au-dessus des valeurs, de valeur des choses qu'on a. Donc je suis l'homme riche. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'homme ou la femme qui possède cela, il est plus riche. Amen. Que tous les hommes qui ont des milliards sur la terre. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Ce livre ici, c'est un livre de vérité. Amen. Amen. Tout ce qu'elle dit Alléluia. Est vrai et juste. Amen. Qui peut contredire? Juste un exemple. Il a dit ici, tu as été tiré de la poussière, Amen. Tu retourneras plus. Amen.
dans quel pays sur cette terre ici où je ne peux pas trouver ce qu'on appelle ici? Qui peut me dire le contraire? Je vais. Donc quand il nous dit que tout le monde est la terre, ne peut même pas je vais pouvoir valoir cela. Parce qu'elle est au-dessus même de la valeur de l'or tout en haut. De tous les diamants, de tout le bien que vous pouvez posséder. Ce que je voudrais, que celui qui la possède qui est vraiment terre. Amen. Il est plus riche que les riches de la terre. Amen. Amen. Alors si il y a cette chose, cette sagesse qu'il y a en termes de valeur. Si je suis un homme intelligent, je la cherche. Amen. Voyez-vous la grâce de Dieu à l'endroit de Salomon. Tous les autres ont cherché la futilité. Tout n'est pas sacré, mais c'est lui qui possède la sagesse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il possède? En fait, il possède tout. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi ça touchait le cœur de Dieu? Parce que ce que cet homme-là a eu à pouvoir, c'est pour ça vraiment Dieu a fait de Salomon ce qu'il est devenu. C'est que cet homme-là a eu à pouvoir demander, c'était la chose la plus importante pour l'être humain sur la terre. Alléluia! Vraiment. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est la chose qui est vraiment très importante. Votre attention vraie. C'est pourquoi Job pourrait dire à sa femme, mais tu parles comme une femme insensée. Alléluia. Parce que vous ne prêtez pas attention. Vous avez tant besoin de futilité. Alors Dieu montre la voie qui est juste. Celui qui a trouvé une femme intelligente et sage, c'est un don de l'Éternel. Vous saviez? Amen. C'est pas le fait de vous serrer comme des saucisses pour dire. C'est vraiment, vous allez vous serrer comme des saucisses. C'est vrai, l'homme va parfait comme un chien. C'est normal. Mais quand il va consommer, vous comprenez ce que je veux dire? Quand il va consommer cette saucisse-là, il va dire à un certain moment. Par quoi? Par le comportement de la saucisse. Mais cette saucisse ne sera plus jamais aussi bonne comme il pouvait l'imaginer parce qu'il rêve de cela. Le jour où il va la voir, il va maintenant comment cette saucisse fait sortir des choses amères. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, c'est ici à gauche et à droite. Ah, je veux me marier, mais c'est important cela. Hein, on a beau serrer les muscles là, c'est bien. Mais quand ça va sortir l'eau amère, il ne va plus voir tout ça. Hein. Il va chercher maintenant. Tes parents sont où? Parce que je n'en peux plus. Maintenant, vous êtes distrait, vous pensez à autre chose. Oh, il faut que j'aie de l'argent, il faut que j'ai. Je peux acheter cette robe. C'est bien. Et oui. Pourquoi parfois il y a des couples qui ne tiennent plus? Mais la femme du voisin, il a toujours des robes tous les jours. Et puis quand il sort, je vois quand même que les chaussures sont en même couleur, en même ceci, en même cela. Même moi, tu ne fais rien, tu n'achètes rien, tu ne vois rien qui vient. Et tu es toujours là, et je suis quand même une personne, quand même, c'est pas possible ça. Même quand j'étais chez mes parents, je m'habillais, mais depuis que je m'ai épousé, je suis en l'autre. Comme ça, mais laisse-moi aller travailler, puis tu m'habilles. En fonction de ce que moi je veux. Vous voyez, frères et sœurs, les filles de Dieu sont différentes des femmes. Amen. Amen. Quand celle démoniée, mais non, nous savons, la langue dit, nous sommes égaux. Toi, tu dis, moi, je dis, moi, tu parles, moi, je parle.
La fille de Dieu, il a été un soin. La sagesse divine lui apprend. Amen. Que si lui parle et toi tu parles, vous ne solutionnerez rien. Alléluia. C'est vrai ou pas? Amen. Nous, à l'école, on a dit, on m'a dit que avant, pour te faire entendre, il faut aussi. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce qui est juste à pouvoir faire, effectivement, le rapport entre moi et l'homme, où je suis une femme, où il est un homme. Vous savez, vos sœurs, si seulement vous aviez la sagesse, vous mettriez les hommes à la justice. Amen. Mm-hmm. Alors, je venais du tribunal où je vous ai trouvé dans un parti. Cette soeur qui avait épousé un éphore. Son mari était un éphore, il avait un cheval, il était allé se trouver avec ses amis dans un café. La femme était une soeur en Christ à la maison. Et puis, ils entendent ce monsieur-là et dire, non, d'abord c'est David, mais il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui. Tous, ils sont tous pareils comme nous. Ils font ce que nous faisons, nous marchons à terre, et puis les autres, la même chose. Les femmes, tout ça, même les hommes aussi, pareil. Et le monsieur dit, Amen. Tous ne sont pas tous pareils. Il y en a d'autres qui ne sont pas comme les autres. Amen. Non, c'est pas possible. C'est possible. Quand tu l'as vu, tu as dit, oui. Qui c'est? Il dit, mais c'est ma femme. Et pourtant, il voit, c'est ma femme. Il dit, ta femme à toi? Oui, une chrétienne. Il dit, avec celle-là, c'est sûr et certain qu'elle est différente. Tu la connais. Il dit, on va te prouver qu'elle n'est pas une chrétienne. Elle va dire, oui, venez, ils sont venus, ils ont fait 100 mètres sous comme ça. Et, oh, et quelle surprise! Ils arrivent à la maison, ils sont là, vous venez voir, tout mari, mais tout le monde fait comme si c'était sourd. Quelle surprise de trouver une femme aussi bien prosécale qui ouvre la porte, parce que c'était les amis de son mari avec le respect. Ils étaient sourds, hein. Ils avaient su, avec respect, entrer, s'il vous plaît, et assis. Mon frère et ma soeur, il faut que Dieu vienne sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, vous, que si cela se passe chez vous, vous vous révolterez. Et quand même, c'est pas comme ça. Tu viens quand même avec eux. Il faut prévenir d'abord. Alléluia. On prévient, vous avez acheté quand même un peu quelque chose. Et puis en plus, vous êtes sous. C'est pas possible. Je ne peux pas supporter. Non, c'est insupportable. Mais elle, c'était pas comme ça. Entrez, parce qu'il est. Ah, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Toujours dans sa position de femme pour savoir ce que le Seigneur lui a enseigné de faire en tant que femme dans son rôle de femme. Amen. Même si les autres ne passent, même si les maris montent, même si les maris ne passent, la femme sait sa position. Amen. Donc, tu m'as insulté, moi aussi. Tu as crié sur moi, moi aussi. Montre-lui, si lui n'est pas bien éduqué, montre-lui que toi tu es bien. Amen. Il te souligne, si je mal agis, je ne pourrais pas te faire. Vous répondez ça à votre mari. Il va tourner sur le miracle. Si vraiment je m'en assis, que tu me pardonnes, vraiment avec un pardon sincère, sûr et certain, il m'a pleuré. Son masculin qui veut montrer que c'est moi dominé là. Avec simplement votre attitude, il baisse. Parce que vous savez ce qui va passer, il va se rendre compte qu'il est ridicule. Vraiment. Tu es suite quelqu'un qui n'a pas réagi à ton endroit. Parce que quand on insulte, on veut ce qu'il t'insulte. Pour de bonnes raisons. Hein? Mais tu as insulté avec autant de respect? Non. Non, 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 non.
il va commencer à s'éclater, dit bon, non, tu es pardon, hein, oui, mais. Si, si, frère, oui, pardon, hein, pardon, vraiment, pourquoi tu sais plus ce qu'il m'avait appris. Vous savez comment s'est passé la relation? Un homme a mangé des œufs. Pas de problème, je fais des omelettes, jamais des œufs. Elle a fait ses omelettes bien là, et puis mon mari va pouvoir présenter un homme. Bon, c'est pas bien fait, par contre, les murs. Elle n'a pas réagi. Elle a ramassé les assiettes et dit, mais si c'est pas bien cuit, je vais encore refaire pour vous, pour que ce soit comme vous le voulez. Frère et soeur, elle rentre dans sa cuisine, elle continue à chanter ses cantiques. Jésus va te porter sa croix, tout ça. Et une croix pour moi aussi. Elle faisait. C'était un réveil de sa croix. Tous ces gens, vraiment, ils ont remercié Dieu. Ils ont cru au Seigneur. Amen. Là, dans cet endroit. Alléluia. Amen. 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 Yo, frère, on va me faire, mon frère, ma soeur, tu fais comme cela, comme la sociologie t'a appris, tu vas casser ton mariage. Amen. Amen. Ah, je pense, tu ne sais rien, les sociologues ne savent rien, ils sont aussi des, je ne vais pas dire les noms, mais c'est sûr et certain. Amen. Amen. Je trouve la demeure et la sagesse. Nous terminons pour des demi. Vous avez bien verset 20, chapitre 27. Puis nous retournons vite dans un roi. Verset 20. D'où vient donc la sagesse? Où est donc la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les hommes. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent. Nous en avons entendu parler. Mais en tout cas, ce n'est pas chez nous que vous allez trouver. Non, pas chez moi là-bas. Non, il n'y a pas ici. Mais nous en avons entendu parler. Mais c'est Dieu qui en connaît le chemin. Amen. Je vais avoir cette sagesse. C'est pas dans le monde. C'est pas dans les études. Non. C'est pas les exercices de yoga, c'est pas ça, c'est les démons qui sont chez vous. Vous voyez, les Dalai Lama, il a une sagesse, non, c'est la démonologie pure. Il n'a pas de sagesse. Amen. C'est la vérité, c'est la vérité. Parce que pour avoir la sagesse, il faut reconnaître les chemins. Amen. Amen. Et si les Dalai Lama connaissent les chemins? Non. Parce que je vois comment le monde a dit, on s'est approché de Dalai Lama, on pose la question, il vous répond par les noirs. Ah ben oui, parce qu'il répond par les pauvres, mais les devinettes des noirs. Yo, quelle sagesse. Les gouffres et la mort disent, nous en avons entendu parler. Le chemin, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui connaît le chemin. Amen. Continuons. C'est lui qui en connaît la demeure. Car lui, il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand lui, il réclame le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, gloire à Dieu, et qu'il traça la roue de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse. Amen. Et la manifesta. Alors, c'est quoi, dit, ça veut dire que je dis, Dieu a vu la sagesse, il a manifesté, écoutez bien, oui, évidemment, il veut dire, alors, il dit, il en posa donc le fondement et la mit donc à l'épreuve, puis il dit, alors, voici la crainte du Seigneur sur la sagesse. Amen. C'est le Dieu du mal, c'est l'intelligence. Voici les trésors. Amen. Ton œil pas dans les ténèbres là-bas. Ton œil est quelque part. Alléluia! Dieu t'a donné quelque chose de plus précieux Amen. Que le monde ne peut pas racheter, que la terre ne peut pas racheter.
Amen. Dans quel dit Seigneur. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, n'envie jamais le pécheur, n'envie jamais ce ténèbre, parce que Dieu t'a donné une grâce exceptionnelle. Amen. D'être toi devenu un fils de Dieu. Amen. Une fille de Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur, la Bible dit, le ciel de la terre n'a fait sans son galère élevé pour le feu. Amen. Le ciel de la terre passeront avec saga. Les éléments vont se dissoudre. Mais nous ici, nous avons aussi nos sables. Amen. Tout ce que tu vois, que tes yeux croient, que tu peux désirer posséder, ce sont des choses qui sont dans la destruction. La sagesse divine de Dieu te montre quelque chose de très c'est d'abord l'importance de c'est Jésus. Frères et sœurs, moins que l'homme soit insensé, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui est vraiment plus important dans l'homme tel qu'il est devant nous? Est-ce les yeux? Est-ce les mains? Est-ce les pieds? Est-ce la bouche? Vous y allez? Parce que dans ce moment dans lequel nous devons suivre Simon. S'il vous plaît, dans ce moment dans lequel nous trouvons, soit homme ou femme, on soigne beaucoup son apparence extérieure. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Les cheveux, les yeux, la bouche, le nez, tout ce qu'on a, effectivement, le corps, le soin, parce qu'on trouve cela important. N'est-ce pas vrai? Oui. Mais en fait, ce qui est important, tout ça, tu peux les soigner. Mais maintenant, tu oublies quelque chose. Et tu ne penses pas que c'est important que je t'occupe de ça. Mais en fait, ce qui est important, c'est le cœur qui fait vivre. Amen. Si on enlève ce cœur-là, il suffit d'enlever ce cœur-là. Ce n'est pas pour le corps humain, je veux. Si on enlève ce cœur, en fait, pour que tout ceci, le Dieu bouge et fonctionne, il y a un moteur principal. Alléluia. Amen. L'homme insensé ne fait pas attention au moteur. Amen. Amen. Mm-hmm. Il fait attention à les paroles. Alléluia. C'est ton cœur humain ici qui te veut. Alléluia. Donc tu dois connaître qu'est-ce qui est principal pour que le matin je puisse aussi me lever. Il faut que le cœur batte. S'il ne bat pas, c'est que tout ce que je viens pour faire la nuit pour que tout le monde soit revenu, il va servir à quoi? Un véritable croyant, tu peux connaître tout ceci. Il faut savoir quel est le principal. Alléluia. Ce qui fait que ceci devient important. Ce qui fait que tout ça ait un sens. La Bible te montre et te dit une chose. Commencement était la parole. Amen. Au commencement était la parole. Ça, c'est là, la Genèse, non? Oui. Et quand on va à l'Apocalypse, alléluia. Notre frère a lu au chapitre 19. N'est-ce pas mon frère? Amen. Vous savez, non? Verset 6 et 7, puis 10. Vous avez lu le verset pour nous? Puis j'ai vu descendre du ciel. Hein? Il était assis, son nom est la parole. Alléluia. Amen. La Genèse. L'Apocalypse. Dit toutes choses ont été faites par elle.
qui existe. Le prophète dit cela par le et il nous dit, Amen. Amen était là. Amen. Donc tout a été créé par la parole de Dieu. Et la Bible te dit, cette parole a été faite chair. Amen. Amen. Il a habité là. Amen. Et on l'a appelé Jésus de Nazareth. Donc, l'auteur de tout ceci, de toute la création entière, celui qui appelle les choses qui ne sont pas possibles, c'est lui qui a parlé en nous. C'est lui! C'est lui qui parle avec la terre de Jean de Dédé. Mais c'est trop vraiment. Nous connaissons le frère, vous ne connaissez rien. Vous avez un message, vous avez dit, mais vous ne connaissez rien. Parce que si vous connaissez le frère, votre vie ne serait jamais. Alléluia. Vous voyez que vous vivez simplement dans le monde de Jésus. C'est que moi je connais et mes soeurs ne connaissent rien parce que nous. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi devenu bien de nous, monsieur? Vous savez pourquoi? Le prophète. Alors, Et ils seront souples. Parlez-vous parce que nous étions avec parlez-vous rien. Et Élie connaissait son Dieu. Amen. Il avait cette certitude. Amen. Et il pouvait prier par tout faire. Rien n'allait se passer. Pourquoi? Parce qu'il contrôle les cieux de la terre. Amen. 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 Il dit, mais on a fait, mais on va voir même toi, qu'est-ce que tu vas faire? En plus, tu es tout seul. Il voit simplement ce monsieur-là, cet homme de Dieu-là, qui se tourne un peu comme ça, il va là, il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit pour avoir fait? Il dit, vous avez manqué. Vous voulez offrir l'offrande à Dieu. Mais comment vous pouvez adorer un Dieu que vous connaissez? Alléluia! Amen! Parce qu'on n'offre pas à Dieu l'offrande selon ce que nous pensons. Oh mais frère, qu'est-ce que toi tu as à dire avec les hommes et les femmes? Mais parce que Dieu est un Dieu qui regarde seulement le cœur. Il s'appelle avec quand Dieu change ton cœur. Amen. Ton âme à toi écoute la parole de Dieu. Amen. 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 C'est vrai ou pas? Amen. Nous aussi. Il y a une chose que vous avez oubliée. Que on n'adore pas Dieu comme on veut. Alléluia. On ne sert pas Dieu comme on veut. Pas comme notre religion l'a appris, mais comme Dieu a dit. Amen. Parce que ce n'est pas l'assemblée d'Israël qui avait dit Dieu est avec nous en haut. Dieu, mets-nous Moïse. Non. Dieu, personne ne fait les vite. Non. C'est Dieu qui a dit.
Ma maman, j'ai choisi les Lévites. Amen. Et dans les services, on ne fait pas n'importe comment. Amen. Il dit, chaque Lévite doit faire ça, 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 ça. Mm. Sinon, ça claire sa maison. Amen. C'est vrai, non? Amen. C'est pas l'Assemblée d'Israël qui a fait. Il est souverain. Amen. Alors, il dit, mais parce que Dieu a voulu nous montrer comment lui veut que nous puissions la terre. Il dit, Dieu, pour pouvoir répondre, il faut que chaque chose soit faite selon sa parole. Vous avez renversé l'autel de l'Éternel qui s'est écrié. Il restaura l'autel. Et il va restaurer l'autel. Parce que c'est sur l'autel qu'on en prie. Amen. Et puis on le voit maintenant, quand on le voit, il est très bien frère. On le voit quand on le voit. Le frère nous dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, venez ici, vous retomberez dans votre mère, prenez les seaux, puisez de l'eau. Il est devenu fou. Versez de l'eau, effectivement, sur nos pas. Il voit, deux fois, il faut un peu pourquoi, deux fois, il dit, trois fois, versez encore. Jusqu'à ce que la viande a été trempée de l'eau et les fossés remplis d'eau. Et alors cet homme, il est vraiment fou, on voit qu'il est vraiment malade. Ici, le peuple va voir effectivement comment il est malade. Mais savez une chose. Alléluia. Vous ne pouvez pas offrir à Dieu une offrande qui n'a pas été lavée. Alléluia. Amen. Selon les Saintes Écritures. C'est comme cela. Voyez-vous, mon frère, vous êtes tellement surveillé. Moi je sais. Pensez que vous ne pouvez pas marcher avec vos sentiments. Moi je pense que je vais faire comme ceci. Dieu a fait un chemin qu'il a tracé. Amen. Chaque croyant, chaque fils de Dieu puisse obéir. Amen. C'est pour cela qu'on doit faire pas comme la religion te dit. Tu diras pas, Seigneur, je ne savais pas. Non, tu entends de tes oreilles. Amen. Vous savez, pour accepter l'horreur, le mensonge, votre attention. Pour accepter les mensonges, il faut rejeter la vérité. Il détournera l'oreille de la vérité. Et puis il a versé. Il versait encore, ils ont versé de l'eau. Quel bruit! Regardez comment c'est cet homme de Dieu a eu le pouvoir. Nous allons terminer par là, parce que vous, pour ceux qui vous êtes un peu fatigués, mais nous allons terminer. Nous l'avons prié aussi. Nous avons aussi un service de baptême aujourd'hui. En roi, chapitre 18. Vous voyez à partir du verset 30. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approcha de lui, et il établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il vit donc 12 pierres d'après les noms des tribus des filles de Jacob. Ok, l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom, et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé, la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois et coupa le taureau à morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau quatre touches. Et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il dit, faites-le encore une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui. Aujourd'hui, que tu es Dieu d'Israël, et que je suis ton serviteur, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Ça, je ne fais pas ta parole. Parce que moi je pense, parce que moi je n'ai pas imaginé, non, frère. Sinon, pourquoi Dieu prêche la parole? Amen. Pourquoi on prêche la parole? Pour que toi, frère, ou toi, je ne fasse pas ce que tu as pu le voir faire, ça veut justifier devant toi. Non. La parole est prêchée pour que tu saches ce qui est juste à toi. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Ma soeur. Vous vous fâchez, c'est votre droit. Amen. Mais la vérité, vous l'entendez parce qu'au jour du jugement, là-bas, du jugement, vous serez, et cette voix ici, vous la retrouverez. C'est ça. Amen. C'est la vérité. Amen.
J'étais là, je regardais mon temps qui roulait effectivement. Mon frère et ma soeur, le lendemain, je n'ai pas garanti. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Alors il dit, comme ça, je dis, Dieu veut des choses selon ta parole à toi. Il dit, mais réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramène. Amen. Vous suivez? Amen. N'oubliez pas, là, le monde est ténèbre, et ici, et l'œil qu'on regarde dans le monde est ténèbre. Oui, parce que celui-là, ainsi, et moi, Dieu, j'ai pris, mais il n'y a rien qui s'est fait d'abord. Alors, il est sur lui, ça va. Maintenant, ici, maintenant, ce peuple était ramené à cet endroit. Le prophète n'est pas le bon prière pour dire qu'il est là. Maintenant, il dit, réponds-moi, Éternel, en fait, ce peuple, c'est que tu es Dieu. En Israël, que c'est toi qui ramène leur cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc quand le feu a réellement tombé, parce qu'avec Baal et Bénévole, il avait fait des heures, et en prophétisant, il y a laissé passer. Lorsque cet homme, il s'est rétabli au tel effectivement, et qu'il a dit, je fais ici, souvent le temps, on a trois, réponds, Dieu n'a pas hésité. Amen. Et quand il est descendu, il est bien, on est confirmant que ça a été fait. Non pas sous ta pensée, Elie, mais sous ma parole. Amen. Je nomme ma parole. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, Dieu honore sa parole. Amen. Pas toi, mais sa parole. Amen. Et si toi, tu l'honores effectivement, alors tu l'honores. Amen. Vous remarquez ce qui est extraordinairement merveilleux. Lorsque le peuple a pu voir la différence de là où ils étaient, de ce que là où Dieu leur a montré effectivement maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, frère? Regardez bien. Ils ont fait ceci. Regardez bien le verset suivant. Il dit que c'est en dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Ah ah, ce n'était pas assez. C'était bon. Mais il fallait, frère, que vous puissiez maintenant faire quoi? Autre chose, c'est pas très bien. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun Dieu n'échappe. Et il les saisit. Élie le fit descendre au torrent de Kishon où il les gorgea. Donc, mon frère et ma soeur, quand vous quittez les mondes, vous allez savoir pourquoi vous avez quitté les mondes. Et tout ce qui a rapport avec les mondes dans votre vie doit complètement être déraciné et abandonner le monde. Amen. Amen. Les mots que vous avez du monde, devez l'abandonner. Amen. Toutes ces choses-là qui vous attirent tout le temps, parce qu'effectivement, pourquoi vous regardez le voisin? Parce qu'il y a la convoitise. Je veux être, que tu n'es pas satisfait de ce que Dieu a fait de toi. En fait, tu as encore entré de quoi? L'eau du monde. Et voilà, mélanger effectivement avec la chose de Dieu. Il faut que ce qui te cause réellement la chute soit réellement abandonné totalement. En fait, que les goûts du monde et les plaisirs, comme aujourd'hui, tu es aujourd'hui. Je vais terminer par là. Vous savez? Vous pouvez vous tromper, vous pouvez vous tromper. Dans le monde, lorsque nous étions dans le monde, on aimait beaucoup les chansons du monde, et c'est tout. Quand vous chantez ces chansons-là, ça vous remonte, vous y entrez, et puis vous passez les pas, comme vous étiez effectivement. Plus de monde était là-dedans en chantant dans sa vêtement. Quand vous êtes venu au Seigneur, je vous avais dit, Seigneur, merci de nous avoir délivrés, effectivement. Mais en fait, le goût est toujours resté. Vous le voyez comment? Vous le voyez au travers des chants, de ce que vous appelez des cantiques que vous choisissez. Ah, vous allez me parler maintenant. Vérifiez dans vos maisons qu'est-ce que vous écoutez. Amen. Vraiment. C'est la vérité. Amen.
Il y a un monsieur là qui s'est dit au Congo, là, je ne sais pas comment vous connaissez, là, les frères et sœurs autour de lui, oh, ils chantent les messages. Je ne sais pas si on doit chanter les messages. Amen. Vous savez, vous en tout cas, là, c'est vrai, ils vont me couper la gorge. C'est pas ça qui arrêtera l'esprit. C'est Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Vous vous trompez vous-même. C'est vous-même que vous trompez. Vous vous détruisez vous-même. Vous savez que ce que vous faites, c'est pas en faux. Vous savez. Quand vous écoutez ces genres de choses, soi-disant, un cantique chanté par les frères, je ne sais pas si c'est l'amour, c'est pas nécessairement moi, vous vous sur le marché là. Vous savez bien que ça ne vous pousse jamais à pouvoir faire ça. Ça peut faire un tout petit peu comme ça, et puis ça réveille les anciens Jean-Marie, de l'époque effectivement qu'on avait connu, sans le but, parce que ça vous rappelle, vous avez quand vous êtes allemand, vous connaissez un certain Jean-Marie, ou Jean-Pierre, ou Jean-Simon, ou Jean-François, comme les autres avaient connu aussi un certain Joséphine. Il y avait des chansons que vous avez avec Joséphine, avec des bras comme ça, vous avez bien écouté. Vous vous souvenez, non? On ne va pas me dire, frère, c'est pas vrai, c'est la vérité. Vous vous souvenez, non? Alors, quand vous étiez avec Joséphine, oh, ça vous rappelle. Et puis, quand vous avez bien fait, ces mêmes personnes-là, ils mettent simplement les paroles du nom de Jésus, mais le rythme est toujours pareil. Vous le mettez à la maison, pas parce que vous avez écouté Dieu, mais vous, ça vous rappelle un tout petit peu Joséphine ou Jean-François, c'était mon rire. Seigneur, aie pitié, mais vous gardez quand même. Je ne vais pas écouter, Seigneur, ça revient, mais je vais vous garder quand même. Et puis, quand même, oh, Jacobine ou Joséphine. Tu sais, frère, mais en fait, il y a un problème, mon frère. C'est que depuis que tu es en Christ, tu vas savoir où tu en es. Vous savez, dans le livre de 2 Pierre, j'ai dit, je termine de faire ma vie. Dans le livre de 2 Pierre, il dit, mais puisque vous savez que toutes ces choses doivent arriver, laisse-moi. Tu veux bien me lire cette étude de 2 Pierre au chapitre 3 de ta vie. Daniel, puisque vous savez que toutes ces choses vont arriver. Je voudrais dire verset 12. Qui ne vaut pas être par quoi? 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 11. Mm-hmm. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Qu'est-ce qui est en voie de dissolution? Priez un peu plus loin. Verset 10. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Merci, frère. Amen. Donc, effectivement, puisque vous savez ça, combien, effectivement, nous ne devons pas être sainteté de notre conduite, c'est-à-dire que je pense que ce que nous sommes, je ne sais pas si demain il peut venir, mais il faut qu'il me trouve saint. Amen. Parce que la Bible nous dit, le Seigneur Jésus vient chercher une épouse, il est principe, sans tâche, saint, guéri, mais rien de saint. Donc, je dois savoir où je me trouve. Si chaque fois que ça se coule, effectivement, j'ai un œil de l'autre côté, ce que quelque part tu dois prendre pour soi. Si les désirs du monde, le goût du monde est toujours là, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Si le Seigneur vient réclamer ce qui sont à lui, toi tu vas parler. Mais pardonnez-moi quand même, je vais dire cela plus devant quand je vais dire plus devant. Pour que vous sachiez que c'est la vérité, parce que il raconte des histoires dans son esprit. Un Jean, ce sera le dernier verset, tous les bons et plus longs que nous avons aussi déjà parlé ici. Un Jean, chapitre 1. Nous devons lire à partir du verset 14. Non, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, c'est après 2 Pierre. 1 Jean, chapitre 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est de récompense. Je vous ai écrit, jeune Jean,
parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'est-ce pas? Verset 15. N'aimez point ni les choses qui sont dans le monde. Amen. C'est pas le nom de la en continuant. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez? Alors, maintenant, nous continuons. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Donc, comment voulez-vous me dire d'être sauvé? Alors, il dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Il demeure éternellement. Amen. Donc, quand tu es sauvé, ne t'habille jamais de message, je suis dans le message, c'est pas seulement derrière. C'est ton âme à toi, l'esprit est sauvé. Si ton âme à toi était sauvée, ordonnez-la à votre par l'amour, on a fait trop de blabla, effectivement. D'abord, qui donne du fruit, il parle de vous. Voici, il manifeste simplement. C'est vous qui allez parler. Ah, c'est vrai, c'est. Il dit, mais te glorifie pas toi-même. Qu'un autre amène. On dirait au point de lèvres à toi. Moi, je connais les prophètes depuis 1840. Moi, je donne le message depuis que je suis. Je sais pas. Je vois l'image, je m'habille le message. Et en fait, le fruit que tu donnes. Vraiment. N'a rien à voir. Mon frère et ma soeur, ça fait longtemps que tu es sur la foi. Où en es-tu aujourd'hui avec Dieu? Et tu dis jamais, moi je suis connu depuis des années, je suis ceci et cela, j'ai connu des messages, j'ai connu des prophètes, j'ai mangé, j'ai connu quoi, tout ça, ça ne veut absolument rien dire. Tu dirais jamais Dieu ne savait, j'avais pas entendu, on a entendu, mais ça ne veut rien dire. Devant Dieu, il ne va jamais me poser la question. Dit que vous vous dites, restez debout. Ça fait un peu de bien, monsieur. Je vous ai parlé de Daniel Koumi. Il était là, mort, et là-bas de l'autre côté, il a vu qu'il y avait un ange avec les livres qui appelait les noms. Il dit, telle entrée. Puis il a dit, mais parce qu'il a fermé les livres, il a dit, mais moi je suis dans les guéris, hein, comment il entend la voix du soir. Daniel Curie, depuis que tu es né, n'as-tu jamais péché? Daniel Curie, depuis que tu es né, n'as-tu jamais voulu? Il dit toutes les questions qu'on m'a posées. Alors, les tableaux venaient, la vision venait, je voyais l'image. Oh, moi, je, Daniel Curie, j'étais debout, je voyais. Je mentais. J'ai critiqué toutes les questions. Il entend ce que ses prières. Puisque tu as fait tout cela, parce que je le reconnais de toute façon. Pour cela, tu condamnes. Oh, j'écris le message de ton histoire sur la terre, mon Seigneur. Dieu n'a jamais posé la question, as-tu cru au message du temps du soir sur la terre que tu puisses entrer ici? Ou bien pose la question, n'as-tu jamais péché? Vous suivez? Tout était terminé pour Daniel. C'est à ce moment-là qu'il a entendu une voix de Dieu éternelle. Daniel Curie, lorsqu'il était sur la terre, il a pris position pour nous. Amen. Aujourd'hui, moi aussi je prends position. Tout ce qu'il a fait, c'est sur mon compte. Daniel Curie avait trouvé un parent. Amen. Aujourd'hui, où est-ce que toi tu as été, mon frère, ma soeur? Depuis les années, tu t'es justifié toujours. Je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Observe le fou. Tu manifestes dans ta vie.
si la mort te frappait aujourd'hui, as-tu la certitude dans ton cœur que tu préfères Dieu? Sonde ton cœur, sonde ta vie. Si aujourd'hui la mort te frappait, et pourtant j'ai fait des années, je vais retourner vers l'ennemi, je vais écouter la parole de Dieu, mais est-ce que tu es sûr et certain dans ton cœur? Parce que ton cœur te condamne, Dieu, que ton cœur te condamne. Ce matin, je veux aussi t'offrir cette grâce. Les religions nous ont donné un Dieu de la religion. Et Jésus des religions. Celui-là ne change jamais les hommes.